Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'obtenir du bouclier tout en dansant. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit vous venez ici, sur le gameplay, donc à la cascade de la réalité, juste ici à la zone des champignons, vous avez des petits champignons comme ceci qui vous donnent du shield. Donc il y en a un peu partout, hein, normalement, regardez, il y en a un là, mais là je suis pas encore trop dans la zone des champignons. Il n'y en a pas énormément quand même. Enfin, il n'y en a que deux par ici. Mais voilà, si vous trouvez un champignon comme ça, vous allez pouvoir réaliser le défi. Parce que tout simplement, quand vous allez sauter dessus, boum, regardez, ça va me donner du shield. Donc, ça me donne 15 de shield. Donc, ce que vous allez devoir faire, en fait, c'est rebondir dessus et directement faire une danse. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de rebondir dessus et d'atterrir directement au-dessus pour atterrir plus rapidement et faire une danse. Voilà, comme ça, je gagne du shield tout en... Je gagne du shield tout en dansant, donc en faisant une émote. Alors c'est pas tout parce que vous avez plusieurs solutions, hein. Vous avez aussi des clombés. Donc les clombés c'est ceci, vous allez pouvoir en trouver un peu partout sur la map de Fortnite. Il n'y en a pas énormément partout, mais il y en a à quelques endroits. Donc pour vous aider à en trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements des clombés de Fortnite saison 3 chapitre 3. Donc vous vous rendez à l'un des emplacements. Les clombés sont sur des petits arbustes, vous les récupérez et là ce que vous allez faire c'est tout simplement les consommer et puis faire une petite danse. Regardez, je gagne du shield, enfin, essayez d'en consommer un, hop, et vous en faites une danse directement. Et regardez, je gagne du shield tout en dansant, ok? Donc ça, c'est une solution avec les clombés. Après, vous pouvez le faire aussi avec des champignons. Donc quand vous lancez un arbuste de réalité, vous avez des champignons autour de l'arbuste, des champignons bleus comme ça, bleu clair. Ceux-là aussi, quand vous allez les manger, ça va vous donner du shield au fur et à mesure du temps que ça passe, et vous faites une danse dès que vous avez mangé un champignon pour valider le défi. Ou alors, si vous trouvez un bleuvage, un baril de bouclier, donc un baril de, enfin, ce baril-là, et ben là, vous faites une danse tout en restant autour du baril et en obtenant du bouclier. Bien entendu, si vous êtes à 100% de bouclier, ça ne fonctionnera pas. Il faut bien sûr que ça vous donne du bouclier tout en dansant, tout en faisant une émote. Donc voilà, dès que vous aurez fait une émote en obtenant du bouclier en même temps qu'en faisant les mottes et qu'en dansant, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swapple Mec et ciao, peace.